Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc je vais vous montrer ça, j'ai aussi, je vais vous montrer les livres que j'ai eu à Noël. Donc tout d'abord ça c'est une réception très récente que j'ai eue qui est juste magnifique. Donc c'est tout simplement le manoir, genre je pouvais le mettre dans la section manga mais bon tant que j'y étais. De Heaven Blessing Official, parce que franchement en ce moment c'est l'era d'Anne May, je suis à fond là-dedans. Donc là c'est la version manhwa, c'est vraiment magnifique, très très beau, les images, les illustrations sont incroyables. Donc voilà la petite, c'est trop cute. Ensuite là vous avez dû le voir, mais là il y avait des petits stickers en fait. Et un marque-page. Alors, je vous montre ça. Donc, voilà les petits stickers. Trop cute. Vous voyez un peu le genre de dessin que c'est. Et là, le petit marque-page qui est tout simple. Voilà. Donc, ensuite, pour le manga. Donc, ça, c'est le premier tome. J'ai hâte de m'acheter la suite, mais bon, je vais prendre mon temps, clairement, parce que ça coûte quand même assez cher et ça prend un siècle à arriver. Les dessins, comme vous pouvez voir, sont très très beaux. Magnifique, j'adore. Voilà. Je vous montre vite fait, hein. Voilà, bien sûr, c'est en chinois, donc bon, I don't understand. On continue avec MXTX. Hein, donc là, nous avons le tome 1 de la série Le Grand Maître de la cultivation démoniaque de MXTX, comme je le disais. C'est la version MXM Bookmark en français, en hardback et qui est super jolie. Voilà, franchement, j'ai eu ça à Noël, c'est très joli. Très, très beau. Après, derrière il y a aussi ça et il y a des petites illustrations, il y en a pas mal, bon je vais pas vous les montrer tous quand même, mais juste histoire de vous montrer. Voilà. Je crois que ça c'est la version anglaise, elle est comme ça, enfin une des couvertures des couvertures anglaises. Bref, donc voilà le tome 1 et le tome 2. Aussi très très joli, magnifique. Et puis je viens de voir en plus de ça la couverture du tome 3 qui est encore plus belle dans un ton plus orange. Et encore des petites illustrations. Voilà, c'est trop beau. J'espère que ça va rester dans le temps, ces petites dorures là. Enfin, dorure, c'est argenté, mais enfin bref, vous m'avez compris quoi. Ensuite, je vous ai vraiment dit que je suis dans l'era Dan May et MXTX. Donc là, nous avons cette fois-ci la version anglaise de tome 4 de la série Le Grand Maître de la cultivation démoniaque. Voilà, je regarde pas trop parce que je peux me spoiler, mais voilà, petit tome 4, trop hâte de lire ça. Vraiment très joli. Je trouve les petites dorures là, ça donne un petit côté en plus que j'aime beaucoup. Là aussi, c'est dorure. Voilà. Et nous en terminer avec les Dan May. Le dernier tome de la série Heaven Official Blessing. Voilà. Donc ça, c'est la version. Oula, j'ai fait tomber un truc. Donc ça c'est la version spéciale puisque ce tome-ci est accompagné de petites illustrations, petites photos, postcards, etc. Donc je vais vous les montrer maintenant. Allez, je vais déjà tout enlever parce que. Voilà, donc déjà on avait ce petit carnet qui est très très beau et bien détaillé.
si on regarde bien l'illustration. Voilà, c'est un cahier à petites lignes. Ensuite, il y avait cette sorte de petit un présentoir. Faut le détacher. Enfin, voilà, il y a tout un truc pour que ça soit bien mis. Trop cute, encore une fois. Il y a encore plein de petits détails si vous regardez bien un peu partout. C'est cute. Ensuite, il y avait un petit marque-page de livre, une planche de stickers, trop cute, là aussi, un marque-page trop trop joli. Donc on a ce côté et de l'autre côté comme ça. Bon, ça peut spoiler un peu le truc, hein. Ensuite, on a des petits postcards qui récapitulent un peu toutes les couvertures de la série. Voilà. Celui derrière, c'est comme ça. Trop joli. J'aime trop. J'espère que vous voyez bien. Bon, après, ça peut peut-être spoiler un petit peu dans l'histoire, mais bon. Alors, celle-là est magnifique. Magnifique. Regardez-la. C'est trop beau. C'est trop beau. Et celle-là. J'aime trop. Et il y avait des petits posters très jolis. Il y en avait deux. Vraiment, ils sont très très jolis. Il n'y a rien à dire. Encore un peu avec des détails. Donc voilà tout ce qu'il y avait avec le tome 8. Franchement, ils ont bien gâté, hein. Donc voilà en livre physique. J'ai acheté pas mal de livres. J'ai acheté pas mal de livres en e-book. Parce que ben, c'est clairement plus confortable pour moi de lire maintenant qu'avec les livres. Donc j'en ai acheté pas mal. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà, tout d'abord, j'ai acheté The Fine Print de Lauren Asher. J'ai déjà lu ça, je vous ferai un point lecture bientôt. Romance avec des millionnaires qui est sur plusieurs tomes. Je pensais que c'était juste un tome simple, mais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté donc The Deviant King, le tome 1. J'ai adoré. Je pensais aussi que c'était un tome one shot, mais pas du tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je pense que j'ai mis un peu plus de lumière, mais bon, bref. Donc je disais, je croyais que c'était un tome one shot, et en fin de compte, c'est une série. J'ai adoré Dark Romance. Donc voilà. Dark Romance qui se passe plus dans un lycée d'élite. Voilà. Ensuite, j'ai acheté La prisonnière du diable de Celia Aron. Ça aussi, c'est une dark romance que j'ai beaucoup aimée, donc je vous en dirai aussi un peu plus tard. Dark romance plus mafia italienne. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la fameuse série La Captive, donc le tome 1, déjà lu, je vous en dirai toujours un peu plus bientôt, de Sarah Even, Dark Romance,
J'ai vu que ça en a fait des caisses et des caisses sur ce livre. J'ai envie de vous dire, c'est de la dark romance. Ce n'est pas de la romance, c'est un sous-genre. Il y a marqué dark avant le romance. Donc voilà, on sait où on va. Pointe à la ligne. C'est pas nouveau la dark romance. Ça existe depuis des siècles. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté la série Le sang en héritage de Sophie Lark. C'est aussi un peu dark romance dans le milieu mafia. Donc j'ai acheté le tome 1. J'ai acheté le tome 2, donc c'est sur une fratrie, et chaque tome c'est sur chaque frère et sœur. Donc le tome 2, le tome 3, alors le tome 1 et tome 2 j'ai déjà lu, le tome 3 je l'ai pas encore lu. Le tome 4 et le tome 5 que j'ai acheté, je sais pas si c'est un tome 6, ouais il y a un tome 6 mais je l'ai pas acheté celui-là. Donc voilà, j'ai juste acheté jusqu'au tome 5. Les deux premiers tomes, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus incroyable. J'ai acheté aussi le one shot, je crois que c'est un one shot, hein, Le poids des sentiments, donc c'est un MM de N.R. Walker. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'espère que je vais aimer. On verra bien, hein, dans tous les cas, comment ça va se passer. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Mais c'est l'histoire d'un gars qui est gros et qui va avoir une relation avec un gars qui est genre beau, etc. Et je crois qu'il n'y croit pas trop. Ou un truc dans le genre. C'est vraiment un résumé vite fait, bien fait. Mais en gros, voilà où on en est. Et pour terminer ce petit book haul, donc j'ai acheté le tome 1, Le chant du loup, de TJ Klune. Alors. C'est drôle pour les personnes qui me suivent depuis un siècle. Normalement, si vous vous souvenez, bon, il n'y a pas que ça à se souvenir, mais bon, bref, j'avais déjà acheté ce tome-là en livre papier et je l'ai revendu. Simplement parce que j'avais commencé à lire, mais je n'étais pas à fond dedans. Donc, je l'ai revendu et voilà. Là, je l'ai racheté en e-book parce que, tel le gros pigeon que je suis, j'ai vu des versions magnifiques que j'aimerais bien avoir. Je trouve que c'est trop trop belle. Alors il y a la version MXM Bookmark qui est très très belle, mais bon maintenant je crois qu'on peut plus les avoir. De toute façon quand il y avait la campagne qui est sortie, je n'avais pas les sous pour acheter, donc c'est pas grave. Mais il y avait la version aussi, j'ai vu une version en anglais pépite, donc voilà, je me suis dit je vais me racheter en e-book qui est moins cher. Voir si j'aime ou pas, parce que franchement, on m'a sorti un truc que c'était de l'oméga vert, c'était du MM avec des animaux, etc. Bref, des animaux, c'est bizarre comme la façon dont j'ai dit ça. Genre, on est avec des loups, mais pas que, de ce que j'ai compris. Et il y a de l'oméga verse. Et moi, ben, j'ai eu franchement le tome, le premier chapitre, et je suis pas allé plus loin, quoi. Donc là, j'ai vraiment envie de le lire pour vraiment me remettre dedans et j'espère vraiment que je vais aimer parce que je veux acheter des livres. Voilà. Donc on verra, ça va être un test. Si j'aime, j'achète la suite en e-book et en livre, trop trop belle, enfin les trop belles couvertures que j'ai vues en anglais. Donc voilà, j'ai terminé pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!